La montée de balle de Kelly Irep sur le flanc gauche, ça va très vite. Du côté du latéral concarnois, attention à Irep, le centre vers Donisa qui tente déjà d'ajuster Enzo Basilio, ça passe juste à côté du cadre. Visiblement, ce sera directement, oui, voilà qui est fait. La tête et l'ouverture du score de Rollez. L'ouverture du score, c'est Joris Chugrani qui vient inscrire son quatrième but cette saison. Là, voilà l'ouverture du score après 13 minutes de jeu pour Mathieu Gérand. Gérand qui va pouvoir centrer certainement, voilà qui est fait. Mais Rémi Boissier, sans problème, qui peut renvoyer le cuir. Attention, la volée de Thibaut Cinquin qui passe finalement assez proche du but. C'est vraiment l'image de ce que l'on voit là sur la première demi-heure. Hein. Et oula, attention encore à ce ballon. Et 2-0 dans la barre. Attention à ce ballon qui revient. Les Ruthénois d'ailleurs qui sont sur la même dynamique que Concarneau lors de la phase retour de l'année dernière. Attention, on va suivre tout de même cette offensive avec Idaza qui va tenter sa frappe, sa chance et qui égalise son 9e but cette saison. Saïd Idaza qui trompe Enzo Basilio partout. On est passé du 2-0 au 1 partout. Voilà Concarneau qui revient dans cette rencontre. Allez, Michel Ramon peut-être avec l'aide de Da Silva. Il y a une faute de Ramon peut-être, mais ça va se poursuivre. On laisse l'avantage avec Saïd Idaza qui va percuter. Idaza dans la surface et qui bute sur Enzo Basilio dans ce face-à-face. Et la mi-temps qui est sifflée à l'instant même. Surnom de neutraliser. Maintenant, ça n'est qu'un pari, Gaëtan. Vous pariez avec moi ou... Alors attention, on va suivre tout de même cette occasion avec Jégus qui bute sur Basilio. C'est allé très vite là. Il a le soutien de Jaffrey Nsimba, ce sera pour Nsimba. Oh, qui manque son centre, il manque un peu le ballon, ça profite. Idaza et les deux points oui. Les deux points d'Enzo Basilio, il est vraiment incroyable ce Saïd Idaza dans toute position, il tente sa chance. Gérand qui manque sa passe, c'est la bonne intervention derrière des Ruthénois qui peuvent récupérer le ballon, mais immédiatement le rendre au Concarnois. Idaza but Il est superbe à la 62e. Il est en feu Saïd Idaza. Le but d'Idaza, on l'avait dit qu'il frappait de partout, une fois encore il l'a démontré. Et une fois encore ça lui a souri. Concarneau 2, Rodez 1. De Da Silva, ou plutôt devant à la place de Sébastien Da Silva. Et puis Loïc Coupin lui qui va être là. Attention à cette frappe et on a bien failli assister à la réplique ruthénoise sur ce premier ballon de Loïc Coupin. Le centre de Mélo vers Coupin, déviation de la tête pour Pierre Ruffaut. De la surface, Ruffaut, et quelle intervention encore de Théo Guivarch, exceptionnel. Et ça risque de... Il faut compenser, attention, un jaune. Le carton rouge, il est sorti par l'arbitre qui a attendu voir la gravité de la blessure. Et Maël Ilia qui ne va pas pouvoir terminer la rencontre. Il n'y arrive plus, les Ruthénois, dans ces dernières secondes. Et au contraire, les Concarnois, eux, ont encore du jus avec la Simon. Dans la surface de réparation, la Simon, la talonnade pour Nsimba, le centre vers Donisa. Donisa qui va frapper.